Mythic Cup 3 s'est terminé, vous avez fini 3e. Qu'est-ce que vous pensez de votre résultat? Non, on aurait pu faire mieux, hein. On aurait pu faire mieux, on a perdu, j'ai perdu bêtement plusieurs fois. Heureusement, Philippe était là. On a perdu en finale loser contre le Top Bam. C'était serré. Ouais, c'est serré. Ouais. Serré, c'était des bons matchs. Après, on a un peu déçu, évidemment. Parce que... On a la Coupe du 3e. On a déjà la Coupe du 1er. Il n'y avait pas les têtes, il n'y avait pas les joueurs. Ouais, parce qu'il y avait Starnab, le film des BD voilà. C'est dommage qu'ils ne viennent pas à la musique. Ils sont peut-être plus venus hier soir et qu'ils ne pouvaient pas revenir aujourd'hui. Ouais, la fatigue post-Stunfest pour certains, je pense. Ah, d'accord, là qui se repose. Voilà. Ça, c'est mytho, ça. Alors, c'est un peu dommage parce que du coup on peut pas beaucoup jouer contre eux. Et comme ils sont très forts, ça nous permettrait de progresser un peu sur ça. Du coup là, bon, même si c'était un tournoi sympa et qu'il y a des bons matchs, c'est pas le top level français. On en est conscient. Alors vous êtes connu comme la team First Strike à Super Street Fighter et pourtant vous jouez à Bell et Ryu. On s'attendait à avoir des joueurs de des nouveaux persos. Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux? Des nouveaux persos de First Strike? De Super Street dans First Strike. Franchement, par les bookies, ils sont pas super intéressants. Mais déjà moi pour 2D, je pourrais pas jouer 2D parce que je perds trop l'automatisme. Oui, je vais dans First Strike. D'accord. Enfin, ce qui est chiant, c'est contre les mecs qui bourrent, les shops et les lights, je ne peux pas presser, c'est que des lignes presque. C'est dur de s'approcher aussi, de réduire les distances sans pari, sans rien. Le jeu est un peu plus long, donc c'est vraiment dur de s'approcher de certains persos. Makoto, moi je n'ai pas beaucoup testé, mais j'ai du mal avec le style du perso, je pense qu'elle a pas mal évolué. Ah, j'ai joué Makoto un peu. Du coup, ça va, je m'amuse bien avec, j'essaye de la jouer en ce moment, mais c'est dur. Je suis pas assez pour. C'est dur. Alors en tournoi, si je sors d'un côté, je vais me faire bourrer direct. Enfin, il va prendre 2-3 matchs, je pense. Les bookies, je pense qu'elle est très intéressante. Les bookies, je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes choses. Elle ne joue pas du tout comme dans First Strike, mais elle a des bons coups, elle a des bonnes passes. C'est un peu comme Viper. Ouais. C'est un peu Après, moi, étrangement, je préfère Abel que les persos First Strike. Après, c'est peut-être comme du gunfight pour pas se mélanger entre les deux jeux, pour pas avoir des problèmes. Mais j'aime bien Abel, j'aime bien le perso et le style. Du coup, j'essaie de le pousser au maximum. D'accord, ben justement dans vos matchs, bon, de mon point de vue, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de maîtrise des deux persos. Est-ce que l'année à Street vous a apporté quelque chose? Vous avez senti une progression dans le jeu? Ouais, je pense qu'on a dû progresser sans s'en rendre compte en fait, parce que, je sais pas, nous on joue sur Xbox Live et je joue vraiment pour rigoler, quoi, sans vraiment prendre la tête. Et j'ai du mal à être sérieux sur Xbox Live. On joue pas contre les joueurs forts. Parce que dès que ça lag et tout, je crois que le jeu est bizarre. Moi aussi j'aime pas trop jouer online, même si c'est intéressant et des versus, mais dès que ça lag un peu, ça m'énerve. Et puis ouais, j'aime bien l'ambiance du IRL, de voir les gens de rigoler, la pression, ça peut sympa. Après, je pense que venant de First Strike, effectivement, toute la technique de Street 4 n'est pas très compliquée. Ça... Je peux pas dire que Street 3 soit compliqué, mais apprendre un deuxième jeu, c'est comme par exemple Yamazaki, qui est déjà fort à ses DLC et à d'autres jeux. Pour lui, je pense que c'est plus facile. Et leur DVD, des joueurs comme ça, je pense qu'ils ont plus de facilité à apprendre les jeux. D'accord. Et bon, nous, c'est un peu pareil, venant de First Strike. Moi, je trouve que ce qui est différent, c'est que la logique est différente. La logique d'approche. C'est que nous, on aime bien attaquer et tout, il y a le pari, c'est assez... C'est ça qui a été difficile à prendre. C'est flexible quand même comme système, mais là, il faut vraiment jouer carré, les sauts, c'est limite vanille. Il faut pas trop avancer, il faut faire très attention à ce qu'on fait. C'est vrai que nous, on a l'habitude de jouer un peu plus freestyle sur First Strike. Sur Street 4, ça marche pas trop ce style-là. Et c'est ça vraiment... Ouais, même contre un mec moins fort que toi, si tu fais des trucs, c'est que le mec sait jouer, comme mine de rien, tu peux perdre. Parce que t'as fait des erreurs, et la barre descend vite, et que certains persos, bah, c'est mort. On se retrouve facilement dans une situation difficile. Dans First Strike, il y a toujours moyen de remonter. C'est un peu les styles de jeu qui sont opposés. Mais oui, je pense qu'au début, on avait plus de mal à gagner parce que justement, on essayait de jouer comme dans First Strike, on attaquait beaucoup, on voulait faire des phases et on se mangeait de la merde, quoi. Mais c'est normal, il faut apprendre. Évidemment, ça rentre. D'accord. Bon, cela dit, on n'est pas... On a dosé quand même, hein. On joue pas forcément au jeu, mais on joue. Hein. Non, on a pas mal joué au jeu, on regarde les vidéos. Moi, j'ai joué un petit peu au Japon quand j'ai fait pour First Strike. Ouais, pareil. On regarde Shiro, je joue avec Kranix, l'homme 10 000 VP. C'est pas réaliste. Non, mais on a campé un peu le jeu, on n'arrive pas au kick, comme ça. Après, je pense que contre les gros joueurs, si le Renegade, Alumi, Starnap, enfin tout ça,
ça va pas être facile pour nous. On ne joue pas souvent contre eux. Hein. Voilà, je pense qu'on aura des contacts. Mais c'est bon, après, c'est un palier à franchir. On choisit de s'entraîner sur Counter Strike et c'est difficile de se concentrer sur les deux jeux en même temps. Ouais, pas forcément. D'accord. Avec la famille, le travail, tout ça. C'est bon. Ça fait toujours plaisir de jouer à Street 4. Il y a des problèmes. Ouais, mais tourner en team, c'est intéressant quoi, parce que. Ouais, si c'est des cartes complémentaires, ouais, on évite les match-up. Voilà, on évite les versus de la mort. Et ça va, c'est vrai. Et puis l'ambiance est bonne, quoi. D'accord. L'ambiance est meilleure. Perso, je préfère le super de le Street 4. Enfin, après, ça va être peut-être par rapport au perso que je joue qui a été un petit peu amélioré et qui est maintenant fort. Mais dans le Street 4, j'aimais pas trop le fait que. On puisse facilement perdre sur 2-3 actions, que le mec soit fort ou pas, s'il arrive à lire le jeu, il peut facilement poser des problèmes. Dans Street 4, c'est un peu moins le cas, et voilà, on a plus de chances de s'adapter à l'adversaire et tout ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de persos. Ouais. Déjà, moi, en fait, j'ai beaucoup joué sur Arcade, je suis arrivé sur console, tous les persos de console. Feilong, Rose. J'ai joué à l'infini par des persos de console, et c'est une solution. Alors, j'avais tapé tous les matchs sur Arcade, et voilà. Quoi. Voilà, c'est l'adaptation. On essaiera d'être présent dans les prochains tournois. C'est vrai qu'on est là que pour les tournois à la mythique parce qu'on se retient sur Counter Strike, mais un jour peut-être qu'on pourrait aller à un Bushido ou faire d'autres tournois et voilà. Le Gnouz, tout ça. Gnouz, ouais, le Gnouz, c'est le dimanche en plus. On verra bien. D'accord. Un petit mot sur votre performance au Stunfest. First Strike, on a vu que vous avez fait le show quand même sur scène, pour certains. Certains. Ah, pour moi, c'est clair. Bah, on a essayé de faire le maximum contre Tokido. Kalisto l'a même battu en solo, ce qui était vraiment pas mal du tout. Et oui, je pense que. Je m'attendais à ce que. Enfin, il est plus fort que nous, Tokido, mais je m'attendais à ce que ce soit encore plus difficile. Je sais pas si c'est le fait qu'il joue un peu moins, qu'il était fatigué, mais c'est un gros gros joueur de First Strike, c'est vraiment une des meilleures familles. Il est déjà qualifié pour TDP, l'année dernière il est en finale du TDP, c'est un gros gros joueur. Et du coup je pense que ouais, les Français ont représenté aussi à First Strike. Bah, il a eu peur hein. Ouais, arcade, il a été surpris. Et bah, d'ailleurs il a failli le sortir quoi, t'étais à quelques blocs de le sortir à First Strike. Ouais, il a tout bloqué. Non mais je pense que le niveau français sur First Strike et Street 4 est très élevé. Vraiment. Parce qu'il y a quelque chose et il faut continuer à progresser. Et les Japonais le reconnaissent aujourd'hui quand on leur parle. Ils disent qu'il y a quelque chose. Ça fait plaisir. Parce que moi, les premières fois que j'allais au Japon, ça fait maintenant quasiment 7 ans. Je me fais vieux. Et bon voilà, au début c'était difficile. Hein. La première fois où on y allait, on ne gagnait pas grand chose. Il fallait vraiment, vraiment apprendre tout le jeu parce qu'on ne jouait pas sur la bonne version, on ne connaissait rien au versus. Et aujourd'hui, de voir autant dans First Strike que dans Street 4, un bon niveau et les Français qui tiennent tête aux Japonais, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Alors, rapidement, toujours sur First Strike, vous avez parlé du Japon, mais en Europe, aux États-Unis, vous n'avez jamais essayé de voyager là-bas, de faire des tournois? États-Unis, à part les mots. C'est moins intéressant. Je sais pas, il n'y a pas grand-chose en fait. Les salles d'arcade, c'est pas autant intéressant que le Japon. Au Japon, tu peux progresser n'importe quand, et aux États-Unis, à part les veaux et quelques tournois par-ci par-là, je ne vois pas, c'est vraiment. Moi, je suis jamais allé à l'Evo non plus. Ce qui me gêne un peu par rapport à l'Evo, ça a l'air d'être un super tournoi, mais c'est que j'ai pas envie d'aller jusqu'aux États-Unis pour faire un week-end de dos. Alors que quand je vais au Japon, déjà le level est plus élevé, et quand j'y vais, bon, bah, je joue allez, une alors, semaine, 10 jours, 15 jours, et je joue tous les soirs, je fais tous les tournois, et je joue tout le temps. C'est ça, parce que à l'origine, moi quand je vais au Japon, c'est surtout pour prendre du level, apprendre des choses. Après, c'est, bon, on fait le max pour gagner, mais c'est pas nécessairement le but, quoi. C'est vraiment de devenir le meilleur possible. Et bon, aux États-Unis, c'est un peu moins ça. Après, en Europe, bon, moi ça fait super longtemps que je joue, donc j'ai fait pas mal de tournois en Allemagne, à Londres, en Angleterre. Je suis allé en Belgique, bien sûr, je suis allé dans pas mal de pays, en Hollande. Du coup, bon, j'ai pas mal voyagé. Je crois que je suis jamais allé jouer. Il y a des tournois. Mais après, bon, voilà, avec le boulot, la famille et tout, c'est un peu plus difficile. Mais pourquoi pas voyager? Cela dit, je pense qu'aujourd'hui, le level à First Strike, il est surtout en France. France à Paris et à Londres. France-Angleterre. À Londres, il y a des bons joueurs, il y a Ryan, il y a Zach, qui sont très forts. Mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, quelque chose à Paris, avec des joueurs comme Marco, Gunfight, Tom, Kalisto, KX, Salmon, un bon level. Tu vois, dans les autres pays, c'est plus 2 ou 3 joueurs qui sortent vraiment du lot. Et puis au final, Et c'est l'arcade qui aide beaucoup, le fait de jouer en arcade. On joue quasiment tous les samedis ensemble. Tout le monde progresse en même temps. Ouais, ça permet de jouer contre tout le monde. Et voilà, alors qu'avant, quand on jouait sur console il y a quelques années, il y avait des petits plans, chacun jouait chez soi.
Et voilà, c'était difficile de jouer avec des bons joueurs, de progresser, c'est vraiment, ça a vraiment évolué. Ouais, pour progresser, tu jouais avec beaucoup de monde. Je jouais avec les plus forts et avec beaucoup de styles de jeu différents. Parce que si tu joues toujours contre la même personne, tu ne progresses pas. Tu connais le mec en face de toi, mais... C'est comme un Street 4. Tu ne progresses pas. Street 4, ouais, pour apprendre des match-up, il faut vraiment doser la mort, quoi. C'est ça qui dure. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que tu vas apprendre plus vite. Comme Star Strike. Moi je trouve que Street 4 c'est plus dur que. Il y a beaucoup de persos, hein. Il y a plus de persos. Mais au niveau du perso, c'est trop rigoureux en fait. Je trouve que c'est vachement rigoureux. Ah ouais, ça demande beaucoup de patience, une erreur. Une erreur d'inattention et tu peux vite perdre. Et sur Strike, finalement, t'arrives à faire un choix. Le bon choix, si tu dis bien l'adversaire, ça peut être décisif. Moi j'entends souvent les joueurs de Street 4 dire ouais, Street 3 c'est trop dur, ça fait trop longtemps qu'ils jouent les mecs, c'est trop fort. Et pourtant il y en a qui s'y mettent aujourd'hui, il y avait Alex94, il y a Method Bam, il y a des joueurs de Street 4 qui s'y mettent et je pense qu'ils peuvent progresser très rapidement. Il y a des joueurs qui savent même pas un an qu'ils jouent. Il y a des joueurs qui jouent 4 à pareil et qui ont un bon niveau aujourd'hui. Et en fait en jouant avec des mecs forts, on progresse très vite, beaucoup plus vite qu'à l'époque. Et le jeu est pas si difficile que ça. Il paraît technique. C'est rapide en fait, c'est peut-être ça, c'est peur. Ouais, c'est rapide mais ça vient vite en fait. Faut pas avoir peur de s'y mettre, faut pas avoir peur de jouer. Voilà. C'est un autre style de jeu. Et Street 4 est également difficile en fait. On s'en rend pas toujours compte, mais Street 4 est pas évident. À haut niveau, ouais, y a beaucoup de petits détails à apprendre. Nous on les connaît pas nécessairement. Ouais, ils sont serrés plutôt, moi j'en fais pas. Ouais. Enfin, j'en fais mais je vais manger la gomme. Ok, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la communauté de First Strike et Super Street, vous qui êtes... Longue vie à First Strike. Longue vie à First Strike, des nouveaux joueurs, même si actuellement ça marche plutôt pas mal, et on a des rangs sur un coup. Que la team qui aille au tout du coup fasse une bonne performance. Okay. On va faire le max, hein, et jusqu'à pouvoir y aller, parce qu'il faut jouer avec mon boulot si je laisse partir en septembre. Après, oui, que la motivation continue, que les gens apprécient et tout. C'est pareil pour le Super, mais sur Super C4, j'ai aucun doute que de toute façon les joueurs resteront, et voilà. De toute façon, faut s'amuser, quoi, c'est ça la base. C'est le futur, et voilà, que les gens s'amusent. Si tu kiffes le jeu, tu peux progresser plus vite. Et que les gens aient pas peur de venir jouer à Street 3 et tout ça. C'est vraiment les premières fois. C'est difficile de faire ça. C'est peut-être violent. En fait. Voilà. Mais il faut pas avoir peur, il faut demander des conseils. Ouais, tout le monde est sympa. En fait, voilà. Si tu fais, s'il vient et tu fais qu'un match, et que le mec il perd, ouais, il se barre direct. Et Todd Bam et Ken Bogard, justement. Voilà. Un bon exemple. D'accord. Ok, ben merci pour cette interview et on se reverra la prochaine fois. Merci.